Bonjour et bienvenue, on est reparti pour notre aventure de War Tales. C'est une aventure qui se finira jamais, elle est tellement bien. Alors, aujourd'hui, on a le lieu complété 27 sur 28. Je me demande si ce lieu compte pour ici. Oui. Ah bah oui, oui, ça change sur la carte. Oui. Genre le centre de la carte, je crois. Ouais, c'est le centre de la carte, en fait. Ok, ça marche. Donc ouais, donc on a un lieu... Une invasion de rats ici. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'invasion de... L'invasion de rats, elle doit pas être très très haut niveau. Honnêtement. Donc on sort des armures, des bonnes armures. Après bon, il faut faire gaffe aux ours et tout ça là. Les sangliers, on s'en tape. Donc on sort des bonnes AOE. On devrait pouvoir les one-shot, les rats et tout ça. Donc en théorie... on devrait tuer rapidement. On a du matos, on a des torches, on a l'arc qui tire des flèches de feu. Le poison, c'est un peu de la merde, mais ouais, je pense qu'on peut peut-être en détruire quelques-unes, hein, de choses. De toute façon, après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Pas grand-chose, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. À part, bon, cette mission. Parce que j'allais dire, la prochaine fois, en fait, on pourrait changer de zone. Mais, bah, je veux changer de zone, de toute façon. Ah oui, 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 il faut aussi aller voir les trappeurs, là. Attendez, je sais plus si on a des objets volés sur... Un peu plus. Non, je crois pas. On les a blanchis. On va pêcher. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les rats? Après, faire les rats plus tard... En fait, plus on prend du temps, plus on laisse les rats de côté pour nous avec notre difficulté. Et mieux c'est pour nous parce qu'on va devenir de plus en plus puissant. On a plus de chances de faire du coup les extractions, je sais pas quoi là, les gros trucs bizarres. Et ça, on en a besoin pour faire beaucoup de choses en fait. Donc je sais, c'est donc bon. Hein. Donc, des fois, il y en a 6 ou 7 hein, à faire. Donc je sais pas si on peut en faire 6 ou 7. Mais... Le problème, c'est le poison qui est tout autour. C'est casse-couille. Vous vendez quoi, vous? Ouh, tir sauvage. Si la cible est engagée avec un animal allié, coup critique assuré. Oh waouh. Oh waouh, ok. Alors attends, déjà... Ça, ça. Parce que nous, on utilise souvent les animaux pour... Ah oui, ouais, ça brille. Genre, vous voyez, la carriole, elle brille. Sous dans la merde si je fais ça, non? On économise 200 aussi.
Honnêtement, c'est mieux de les tuer, quoi. Mais après, je sais pas si on récupère tout. Bah, de toute façon, c'est fait maintenant. Caravane de riches marchands. Bon, maintenant on est activement recherché par contre. Ça, je prends. Je veux voir l'école là, combien c'est pour augmenter les armes. Je me rappelle plus exactement. Et après, on va aller du coup au camp des trackers. Alors, toi. Donc, ça c'est pour augmenter les compétences et après on peut en acheter des nouvelles. Ok, ça marche. Respect, non. Alors, améliorer. Qui on voudrait améliorer? Donc, je dirais que la Lucilla. La Lucilla serait la plus intéressante. Alors, on peut voir. 430. Donc de 19, elle passe à 25 de force. Intéressant, ok. On peut voir. On peut voir ça. Ça passe à 12. Quoi? Ah non. What? Ingénieur. 11. De 11, ça passe à 12. Pas beaucoup. Ah, mais attends. Là, c'est déjà. Là, c'est niveau 4. Là, c'est niveau 5. Là, c'est niveau 5. Là, c'est niveau 6. Ah non, en fait, oui, non, ça c'est abusé en fait, celle-là. 6-7 pour l'arme. Et 25, ça passe à 32 si on balance encore 500. Mais ouais, non, 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 non. Parce que, enfin, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis pas que c'est pas bien, mais ça va être une galère en fait. C'est ce que, on a un peu d'argent de d'avant, j'ai pas envie de tout balancer maintenant, quoi. Ça va me faire chier. Ça va me faire chier si on perd tout. Bon, faut blanchir ça. Je pense que c'est pas mal quand même. Mais merde. Après, ça a l'air un peu abusé, quoi. De 25, elle passe à 35 de force et tout. Enfin, c'est des. Ouais, c'est abusé, quoi. Ah, c'est les mêmes marchands qu'on vient de voler? Ou pas? Ouais. C'est con, hein. On dirait que. Ah, si, vous avez toujours les lingots, là. Pas si c'est utile de les prendre. Bon, on va voir les trappeurs. Trackers. Les chasseurs. Alors, on fait voir. Des cultures, oui.
Il nous reste combien dedans? 5. Voilà. Merci. Je vais regarder ce que ça me donne. Alors. Choc des cultures. Alors, un hérico de mouton, ça on sait le faire. Et après, ça serait un Medefin aux pommes. Un repas complet typique de la région de Tiltren, préparé à l'image de ses habitants, où un subtil mélange de force et de douceur. Plat préparé, ça veut dire quoi plat préparé du coup? Ah, mais non, mais il y a écrit plat préparé tout le temps, d'accord. Ah oui, ça fait quoi? Force augmentée de 20%, réduit de 35% la vitesse d'attaque et la fatigue du troupe s'accumule. Bonus augmente de 1 le bonheur de troupe. Dur prochain repos. Donc c'est mieux en fait. Donc là il y a la bravoure. Donc ah non, il y a du bonheur, c'est pas la bravoure. Attends, mais non, mais je regarde le mauvais truc en fait. Donc la force c'est 15% là. Là c'est 20. Et après le truc aux pommes. C'est 30% la vitesse. Et là, c'est 35. Et les deux, c'est 14. Donc ça nous ferait 28. Mais ça monte à 40. Si on met de l'eau de vie dedans. L'eau de vie dedans, c'est 1. Donc c'est 3, c'est 6. Waouh, ok. On va essayer de garder les haricots de mouton de côté, quoi. Comme d'habitude, hein, nous manque le blé. Je dois être le seul con à pas avoir de blé, quoi, c'est ouf. C'est ouf de pas trouver du blé comme ça. On est un peu plein par contre, j'avais pas fait attention. Ah, c'est fou de d'avoir des problèmes de juste du blé quoi. Ah, et par contre, on transporte trop d'armes en fait. Il va falloir que je vire des armes, genre. Putain, ça c'est bien pour le feu aussi. Ah, mais si je brûle la mer. Peut-être la fois, enfin, quoi que ce serait intéressant quand même. Oh là là. Je crois que je transporte trop de nourriture. Légèrement trop. J'ai fait de la merde là. Ah, attends, attends, on peut crafter des trucs ça. J'ai oublié. Tiens, on a combien de torches? 4? On va faire une torche. Crochet, on en a 10. Ça, on en a 7. Et les pitons, on en a 5. On va en faire 5. Presque. Est presque.
Bon, on retourne à la ville. Sans se faire prendre, ce serait bien. Des troupes là. C'est quoi ça, champignon? Faut qu'on vende un peu ce qu'on a, je pense, quand même. Sans déconner, quoi. Ça craint. Non, on va presque manger. Non, parce que là, c'est absurde. C'est bon, on va camper ici. C'est bon, j'ai compris. Quel truc on pourrait vendre? Honnêtement, ça et ça, on peut pas le vendre. Ça, c'est trop bien. L'épée, je crois que oui. Je crois que cette épée, on peut la vendre. Parce que faire du feu comme ça avec une épée, c'est pas très important, en fait. Donc ça aussi on faut le vendre. Ah putain, mais j'ai des trucs à vendre en fait. J'ai complètement zappé la dague. J'aurais pu les vendre aux marchands, c'est pas grave. Alors faut que je me rappelle. Faut que je me rappelle. Donc ça c'est chôle d'écriture. Donc c'est l'haricot de mouton. L'haricot de mouton, on va le garder. Donc haricot de mouton. Ça, on l'utilise. Ça aussi. Ça aussi. Les raisins, on en a besoin aussi, je crois bien. Après, le problème, c'est que j'ai pas de... J'ai tout simplement pas de sel. Voilà, tout simplement. Ok, on est bien. Ah. Une soldat versé. Ok. Pénétrer, essayer de s'enfuir. Mais l'allée dominante l'a récupéré. Ok, ça marche. On a eu un rat en plus. Tiens, le rat, il peut peut-être nous aider. On va aller combattre les rats. Ah. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es content d'être affranchi? Jamais aussi bien dormi de ma vie. Le ventre bien plein et les dents du fond qui baignent. Quoi? Le ventre bien plein et les dents du fond qui baignent. Ça veut dire quoi, ça? Jamais entendu cette expression. Permet-elle pour être en forme le lendemain? Torte gagnera le statut vigile. Enlever le camp plutôt que d'habitude. Chanter. Complimenter le groupe. lever le camp. Ah putain. J'ai oublié. Non mais lui, on va le laisser on va le laisser au coffre. Hein. On va le laisser au coffre tout le temps. Parce que j'oublie tout le temps en fait. Ah ouais, non, lui, il faut le laisser au coffre. Chaque fois que j'ai un truc, j'oublie de le remettre. La scierie, on peut faire du bois. Quand, où est-ce qu'on avait trouvé du blé? Je crois que c'est un peu aléatoire, quoi. Enfin, c'est les marchands. Des fois, ils en ont, des fois, ils en ont pas, non? Je sais plus. Mon dieu, je fais de la merde. Wow. Thank you.
Payez-nous. On prend les trucs, les missions. On prend les missions. Ça fait cher quand même. Voilà. On a un peu de d'influence quand même. Répare-moi tout. Alors, vends-moi ça et on avait autre chose encore. Voilà, nickel. Ça aussi. Très bon. Ça, non. Putain, ça c'est 1. Le chloroforme c'est 1. Oh, putain. Les fontes aussi c'est 1. Ça fait un peu chier. Il y a beaucoup de choses lourdes en fait hein, qu'on transporte. Hein. Faut pas croire. Hein. Nickel, on est remonté à 1700. Pas besoin de forger quoi que ce soit. Là, je crois qu'il y a besoin de rien non plus. Non plus. Je suis en train de bien regarder. Ah oui, on avait des choses qui étaient contre les infectés, je crois, non ? Mais je crois qu'il faut les apprendre. L'huile descend pestiférée, c'est ça. Je crois que c'est ça. Dégâts infligés aux unités pestiférées augmentés de 20%. Ouais. Et ça, il faut de l'essence de vierge. Et ça, on en a pas. Enfin, ça, on peut pas en faire, même, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'a pas les ingrédients. Les ingrédients, personne en vend. Il faut les récupérer soi-même. Mouton, très bien. Oh, ça, ça, ça. Oh, le choc des cultures, on peut le faire. Parce qu'on a acheté une tarte. Cool. Sympa ça. J'avais pas fait. Oui, j'avais pas pensé à ça. Ouais, nickel. Très bien, on a déjà plus de sel. C'est magnifique. Bon, je crois qu'on va y aller. Par contre, est-ce qu'on risque pas d'être trop lourd? Bon, après, comme j'ai dit, on peut toujours rajouter du poids hein, au final, en fait. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 4 qui ont des fers à cheval, en fait. Allez, on y va. On y va, on y va. Le blé, non, toujours. Ok, ça marche.
Attends, nous c'est les rats. On peut passer par la forêt. On va pas combattre les esprits, on n'a pas besoin. Oula. Ok, on va prendre une autre direction. Ah ouais, ils sont... Ils nous recherchent, hein. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? Non, ça doit pas être, ils sont pas assez nombreux. Ils nous recherchent, ça c'est certain. Ferme prospère, c'était quoi ça? Bah rien, les gens sont partis. On s'est fait aggro par ceux qu'on devait tuer, pas par la garde. Ah, ça... Ça fait un peu peur. Hein. Ça fait un peu peur. Les mecs sont que 4, ça va. Alors je vais être honnête, on n'a pas trop le temps de jouer avec vous les mecs. Donc si vous pouvez, genre... courir loin et vite. Ah, on a tous vigilance aussi, ça. Ah d'accord, mais les mecs ils partent pas, c'est chaud. Bon bah. Fallait partir, hein. Qu'est-ce que je te dise? Alors le rail est... le rail est juste là. Non, c'est parfait. On va camper ici. On va camper ici. Dix pour cent, ça va. Alors, équipement pour les rats. Équipement pour les rats.
Donc, Kirik, je crois que. En fait, ce qu'on peut faire pour les rats, c'est. Kirik. Ou il défonce les rats parce qu'il a une AOE. Je pense que c'est le plus sensé. Ou alors. On le fait utiliser son attaque. Ouais, mais non, il sera dans le poison et tout pour les. Pour les grosses bestioles. Non, je crois que ce sera mieux qu'on l'utilise pour les rats. Pareil avec Wit aussi, il fait des AOE. Donc, ouais. Par contre, torte, tu peux mettre une torche. Bah après, je. Attendez, je mets torche, mais c'est pas vraiment utile. Toi, il te faut ton arc. Flèche incendiaire. Peut-être pas vraiment utile de leur mettre des torches, en fait. Donc j'y pense. Ah, dans un sens, si, parce que ça leur permet de taper deux fois, en fait. si on les utilise. Ouais, non, coup de torche. Torche parce que en fait ça fait une attaque gratuite. C'est ça le truc, c'est que ça fait une attaque gratuite. C'est comme ça qu'il faut le voir. En plus de foutre le feu, évidemment. Alors, est-ce que là, ouais, là, on n'en a plus. Là, on peut faire de la viande, mais est-ce que c'est vraiment utile? On n'a plus de sel. Non, ce serait du gâchis. T'as qu'à te mettre là. Alors, on peut faire le choc des cultures, honnêtement. C'est toujours bien. Choc des cultures. Oh putain, je me rappelle jamais quoi. Ah, je vais avoir un problème avec ça. À chaque fois, je vais regarder. Choc des cultures, c'est Hérico Mouton. Ok. C'est ce qu'il faut pas toucher, quoi. Poisson. Après, c'est du poisson cru. Connaissance du monde augmentée, troupes reposées, le râteau pour en produire, râteau. Prisonnier Trit a essayé de s'enfuir. Ok, parfait. Ah, du coup, on a plusieurs rats. Ok, j'avais gardé un rat aussi, c'est pour ça qu'on a. On a dû payer cher. Ah, Trit, tu veux jouer avec nous? Vous êtes venu pour recruter ou pour me payer ma tête? Vos compagnons sont satisfaits. Jouer. Par contre, oh putain, y a pas on n'a pas d'armure. Ah si, attends. Armure lourde. Une torche. Par contre, j'ai pas. J'fais, non, je vais pas te donner les boucliers, ça va pas. Alors. Donc, tu as dégâts contre les cibles engagées augmentent de 30%. Et en théorie, tu devrais nous donner l'expérience des pillages. Dégâts critiques des alliés augmentés de 30%. C'est peut-être pour ça qu'elle est extrêmement chère.
C'est peut-être pour ça. De faire de la forge, ça donne quoi? Ça donne de la force. Qu'est-ce qu'on l'a, on la fait quoi, elle? Parce que si elle a ça, dégâts contre les cibles engagées. Du coup, c'est mieux qu'on en fasse un DPS plutôt qu'un tank. On est d'accord. Par contre, je crois qu'on va te filer un bouclier quand même. Parce que t'as vraiment une armure de merde. Ouais, quoique. Affranchi, ronfleur, c'est chiant, laborieux. J'avais pas prévu qu'elle vienne maintenant, quoi. On a pas prévu ça. Non, ouais, on en va. Elle a une constitution de 25 déjà de base, c'est très bien. Elle a 15 de critique. Ah ouais, non, mais il faut faire force et critique avec elle, en fait. Ta volonté, combien? Ta volonté 14, bah t'es nickel, t'as pas besoin de volonté. Du coup, force. Critique. Tu peux. Déplacement, c'est quoi? Mouvement. Mouvement 8. Ouais, mais fait. Enfin, de base, c'est 10, quoi. C'est pas top non plus. On va faire ça. Critique. Mouvement 2. Ah, encore mouvement 2. Ça ferait 12, ça ferait 14. Bon bah c'est pas mal. Excusez-moi, j'ai encore mal à gorge, c'est super chiant. C'est pas mal. Volonté critique 2%. Ah, on peut lui mettre bricoleur. Bricoleur ça donne quoi? Critique plus 5%, c'est que du critique en fait bricoleur. Bon bah encore oui quoi, elle a une armure déjà, c'est déjà ça. Mais elle a des super stats, hein. Faut être honnête, hein. Elle a des super stats, hein. Valeur de base 14% de critique, je sais pas où elle les sort les 14%. Elle est à peine niveau 6 quand même. C'est une malfaiteuse. Constitution, valeur de base 22. Je sais pas d'où elle sort ça. Puis elle a une grosse force aussi. Elle est très très bien, elle est très puissante. Bon bah c'est bien, tu vas nous aider, tu vas nous aider pour le combat là qui arrive. Par contre, je voudrais bien que tu aies une arme, mais bon, t'auras une torche pour le moment. Ouais, t'auras juste une torche, c'est cool. Allez, c'est parti. Les esprits, on s'en tape. Pas là pour eux. Invasion drap. Alors, les pièces s'enfoncent dans une sorte de boue répugnante. Par contre, c'est problématique parce que les invasions de rats, ils vous disent pas le niveau. C'est très très problématique. Niveau 5, ah, c'est pas. C'est pas si bon que ça, hein. On n'est pas si haut que ça au final, hein, comparé à eux. Bon, normalement, on devrait être les one-shot. Mais c'est un problème. Oh putain, le con, on attaque de nuit. Oh, le gros débile. On attaque de nuit, ils sont enragés.
Ça c'est vraiment con de ma part. Ça c'est vraiment 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 très con. Si on a une armée de rats infestés, par contre, on peut peut-être les envoyer attaquer ça. Alors, Taurus, il va défoncer ça. Ah, le gros con, quoi, que je suis, sérieux, c'est incroyable. Ça. Incroyable. J'en reviens pas d'être aussi con. Mais ça c'est... Kirik. Non, on va faire Kirik là. Wit ici. Est-ce qu'il est one shot? Il est one shot pas Kirik, ok. Lui par contre. Oui, il est one shot pas. Kirik, oui. D'accord, putain, je peux pas passer. Putain! Il y en a trop en fait, c'est ouf! Là je suis à portée, fais voir. Ok, Taurus il est one shot. Donc là il peut déjà en couper quelques-uns là comme ça. Il peut normalement tuer les trois premiers par exemple. Le poney il a de l'armure, il va résister. Alors lui, faut pas qu'il se fasse empoisonner. Attends, déjà, on va faire celui-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre des râteaux. Les râteaux pas augmentés. Toi aussi. Il est où l'autre râteau? Désolé, parce qu'on a beaucoup de gens et il faut bien jouer pour bien récupérer les récompenses. Quoi. J'ai mis où Kirik? Il est où Kirik? Kirik? Taurus, Monet. Mais j'ai perdu Kirik. 8. J'ai perdu Kirik. Il est où? Je l'ai mis là. Kirik, si tu fais ça. Ok, on peut passer comme ça. Déjà, on aura galvanisation directe. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, j'ai vraiment merdé hein, le coup de qu'ils soient tous en rage, là. J'ai vraiment fait de la merde. Ah, la vache. Alors, mon but, ça va être de mettre les rats. Genre les trois rats, lui, il est protégé. Si le poison, ça va le... Ça va le booster. Warrington, elle va foutre le feu. Potentiellement faire attaque aussi.
Comme ça, les rats qui sont autour vont attaquer en même temps. Il faut plus de... Après, il me faudrait du DPS de ce côté-là. Il y a Orlin qui peut soigner. Aigram aussi, elle a une torche. Poney, il a une armure donc il peut protéger. Et de là ça va. Il y a mené, faudrait peut-être qu'elle booste la puissance des gens en fait. Je sais pas. On va voir. Je pense qu'on devrait pouvoir faire un truc intéressant. Bon, Taurus, vu qu'il peut tuer. On commence avec Taurus. Galvanisation, très bien. Okay. Alors maintenant, est-ce que tu les tues? Yes, ok, ça marche. Maintenant, il faut faire jouer lui. Donc il y a Hacker qui est là. Mené et Will sont... Non. Ouais, Mené et Will sont loin. Elle est là. Donc du coup, ça va être Hacker. Une bonne avance. Faire gaffe à notre bravoure. Toi, j'ai peur que tu fasses de la merde. Mets-toi en défense pour l'instant. J'ai vraiment peur que tu fasses de la merde. Le problème, c'est si j'envoie des animaux, ils vont brûler, non? Je sais pas s'ils vont brûler en fait. Par contre, j'aurais dû le faire après, j'étais con. J'étais très con.
Il reste combien de rats? Il reste 4. Pas besoin de fureur. Eux, honnêtement, on s'en fout un peu en fait. Voilà, là elle va le tuer. Ah non. Bon, pas grave. Oui, là, à la limite d'avoir des rats pestiférés, en fait, ça aide. Parce que du coup, ils peuvent rester là. Et on leur dit, après, avec War, on leur dit d'attaquer, ils vont tous attaquer. C'est une technique comme une autre. Alors. Aline, toi tu peux. C'est immunisé contre le poison. J'en sais rien. Alors, toi tu y vas. On va te soigner après. Kaker, Kairi. Kairik, pardon. 8. Je crois que ça suffit en fait. L'ours il peut rester là aussi. L'ours il se fait. S'il se fait attraper en fait il va être empoisonné. Bon après c'est pas très grave honnêtement. Je pourrais faire ça, comme ça il a fureur directement. Voilà, très bien. Toi, tu peux. Je sais pas trop. Tu peux aller te balader et booster les gens. Rester dans le périmètre. J'ai envie de dire. Will, tu vas aller aider pour les trucs. Okay. Lucie, on n'a pas besoin de toi au contact pour tanker, donc tu peux te mettre là. Il faut aller aux autres aussi. On a là, là. Ils sont très loin. Ils sont très très loin. Donc il nous faut du. Il nous faut des gens. Même si je me mets là, je vais pas pouvoir. Faire ça. Toi, tu vas soigner, donc on va pas t'envoyer. T'as pas été boosté. Il faut pas non plus
Alpha, non, Alpha, tu vas tuer des bestioles plutôt. Pas envoyer tout le monde dans le poison non plus, parce que les deux là, je m'en fous, ils peuvent crever. Mais enfin, tout le reste, non. Ah oui, par contre, c'est des conneries ou pas alors? La nouvelle là. Frit. Des conneries? Dégâts critiques des alliés augmentés de 30%. Je le vois pas le bonus hein, sur les gens. Non, des conneries. C'est des conneries. Donc on a dépensé 300 pour rien. Par contre, peut-être que elle a... Non, 32%. Dégâts critiques des alliés augmentés de 30%. Bon, après, elle a des bonnes stats et tout, hein, mais... Ouais, non. Ouais, bah, c'est qu'elle a juste des bonnes stats, en fait. C'est vraiment ça qui intéresse. Pas. Parce que sinon on serait dans les 60 et quelques. En fait, 60 et quelques pourcents de critique. Mais bref, c'est pas grave. Elle est immunisée au feu, mais pas au poison. Ça m'embête quand même. Ça m'embête quand même, hein. C'est des conneries du coup, ça marche pas. À moins que ça soit une stat cachée. Une stat invisible, mais... Oh, oh la vache, tout ce qu'il y a. Ils sont enragés, eux? Ah non, ils sont pas enragés, là. L'offre se lève, les rats se calment. Oh, cool. Putain, ils ont même pensé à ça, ça tue. Bonjour, parce que... Ah si. Ouais, je suis un peu dégoûté quand même. J'ai laissé le l'ours parce que l'ours il est quand même très résistant. Oh la vache. Bon, après un crit à 229, j'en sais rien. Parce qu'on vient d'augmenter l'arme. Puis il y a l'huile qui s'est activée. Je crois.
qu'est-ce que... Je sais pas. Ah, lui, je lui ai pas mis la torche. Putain, quel débile. Beaucoup de mal, hein. Enfin, tu tues pas, quoi. Ça, ça fait chier. Et lui, il va se retourner ou pas? Ok, il a été détruit, très bien. Petit rat pestiféré là qui est un peu dans la merde. Tiens. Là, ça va, tu peux tanker ici. Toi, t'as joué, il reste Taurus et Menefrae. Je crois que Menefrae peut partir d'ici. Honnêtement, pas vraiment besoin d'elle ici. Ah, j'aurais dû d'abord tuer le rat et après partir. J'ai pas pensé à ça. Ah, mais il peut avoir quand même la... La putréfaction. Mais elle est déjà contaminée, elle est infectée. Enfin bref. Alors... Est-ce qu'elle va... Yes! Ah ben, c'est une taille. Ça tue. Je vais voir. Oh putain, tu les tues pas. Ah! Vas-y, vas-y. Là, t'es trop loin. Fais chier. Ah, elle pourrait faire un dash. Et si elle, bah, elle l'a pas, mais elle pourrait faire un dash. Et du coup, faire un lancer aussi. Ouais, ça m'embête. Pour le coup du critique là, je pensais vraiment... En plus elle est super chère.
Après, je sais pas, ils font mal, mais bon, est-ce que ça veut dire que ça marche? J'en sais rien. Alors, on va se mettre là. On va booster notre petit rat. Parce qu'au final, lui, il va nous aider à avancer. Je crois que vers la mer, il n'y a pas besoin d'aide. Je crois qu'on est, largement suffisant. Alors, ça c'est fait. On a déjà tué deux trucs, c'est bien. Il y a Lumi qui peut tuer des rats aussi. Combien tu vas faire de dégâts? 12 à 20. Ok. Cinq de dégâts. Toi, tu bouges pas. C'est pas parce qu'on est aussi nombreux qu'il faut pas genre sous-estimer en fait les ennemis. Pas mal. T'as un bon tir. Je pensais vraiment pas que t'allais toucher quoi que ce soit en fait. Très bien. Alors toi t'es en feu, toi t'es en feu. Par contre, si on le soigne, ça voudra dire que... Attends, tu peux mettre le feu aux gens avant de faire ça. Hop là. Comme ça, ils vont crever du dot, en fait. Je sais pas s'il va s'en sortir en fait, le rat. On sera putréfié. Le clairement pas, mais c'est pas vraiment un problème. Ok, il me reste le loup. Trit, tu peux avancer, tu peux éclairer. En fait, faut la faire en chef. Genre, si on lui met capitaine, ça marche. Ou alors, je deviens fou et j'arrête pas d'extrapoler, de me faire des hallucinations par rapport aux habilités, là. Ce serait pas mal. Moi je la mets chef. Hein. Qu'est-ce qui reste à jouer? Torte. Ah bah cool. Ok. C'est un gros râteau, ça. Cinq. En théorie, il va régène, hein, mais je sais pas de combien il régène. Par contre, ça m'étonnerait que ça soit beaucoup.
30. Et on a ailleurs là. Ok, toujours là. Ah, notre rail est bloqué. Il est bloqué. Ok, ça marche. Alors, hacker. J'arrive pas à passer quoi. Ah mais je peux pas me mettre là en fait, d'accord. Si je fais ça, je touchais l'ours. C'est là on est bien placé là pour. Maintenant, on bouge l'ours à tout prix. Très bien. Donc on commence à faire les combats là des autres là parce que sinon on perd du temps. Voilà. Tu te remets là à côté, comme ça on prend un point. Là, ça fait quoi? 1, 2, 1, 2, 3. Ouais. Pas mal. Bien. Boum, boum. Ah, ça va être un combat un peu long. Hein. Après, je suis en train de me dire, peut-être que c'est une. C'est un passif comme ça, genre de stratégie, d'autre. Genre maintenant, on l'a débloqué, un truc comme ça, je sais. Bon, j'ai l'impression qu'ils viennent tous de là, en fait. Enfin, souvent. Donc, on peut peut-être. Faire un blocus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait opération Sovra. Je sais pas si je peux en fait. Putain, comment je. Quelle merde. Ouais, ça va là. Bah, nickel. Okay.
T'es obligé de passer par le poison, ça. Mais. Ah, mais t'es pas. Non! Comment perdre un point d'action pour rien, c'est bien. J'utilise la récupération de points d'action avec avec Kirik. Quand on sera prêt. Où notre cheval? Il y a Aigram qui est un peu dans la merde. Dos à dos. C'est pas Eratop qui aime pas la lumière. Totalité. C'est marrant, ça les éclaire pas en fait. Je crois que c'est parce qu'on est sous terre. C'est l'aube, du coup ils sont plus enragés les rats, donc c'est fini, on n'est plus la nuit. Mais vu qu'on est sous terre, les rats taupes, ça va, ils ont pas de problème, j'ai l'impression. Enfin, moi j'imagine que... J'imagine la chose comme ça, quoi. Nickel. Ah bah bravo. Sans déconner, je viens de lui mettre poison. J'espère qu'elle régène avec le poison. Hein. Mais je suis pas sûr. Ah si 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 si. Ça me suit pour l'instant, ça se passe bien. Je voudrais pouvoir vraiment les finir. Quoi. Ah, on peut en attraper un. Tiens.
Ah, j'aurais pu le tuer avec la torche. Maintenant que j'y pense. On va se mettre là, comme ça, ça l'empoisonne. Par contre, je me demande si on les éclaire, est-ce que ça veut dire que des ennemis vont arriver en fait? Parce que s'il faut, ça veut dire ça en fait. C'est les ennemis, ils arrivent parce que on est en train de d'en attaquer un. Ça, je sais pas comment ça fonctionne. T'as encore eu qu'on peut diriger les animaux. Pas mal. C'est une bagarreuse, elle a pas peur. Allez. Troisième round. Ici, c'est bien parce qu'ils prennent feu direct. Là non, et là ici, ok. Ils ont l'air de venir aux mêmes endroits pour le moment. Alors il y en a un peu vers la mer, il y en a un peu là et là-bas. Après on perd galvanisation à chaque fois parce qu'il y en a tellement. Tellement de setup de faire ça. Ah mais j'avais dit que je faisais ça, putain. Belle brochette. Mais ben on n'y arrive pas. C'est énorme. C'est énorme. Ah, j'allais dire oui, il a une belle brochette aussi. Donc, faut qu'il la fasse. Là, il y en a beaucoup aussi, par contre. Nickel. Thank you.
bien. Pas mal. 7, très bien. Pas mal. Là, il faudrait des AOE en fait. Là, je vois qu'on n'a pas d'AOE. Hop. Ça fait 3. Très bien. 1, 2. Il en reste combien? Il en reste 4. Non mais attends, c'est bon. Oh la vache. 1, 2. Il y en a juste un là. Ah tiens, on peut peut-être envoyer... Kirik qui peut soigner. À la limite, on peut peut-être envoyer des gens ici. Alors Taurus, Taurus il peut le solo. Il peut honnêtement le solo. Bon bah celui-là c'est fait, c'est bien. On va aller là. Là c'est super long. Hein. Pas ça, je sais pas combien de temps on doit être depuis une heure là-dedans. Ouais, elle il lui faudrait le déplacement rapide comme à l'autre. Bon, ça c'est de la stratégie. Putain, ça l'a battu. Au final, c'est pas de la stratégie qui fonctionne. Pourquoi tu... Ah, voilà. Oh, doucement. Ah, il a fièvre niveau 4, lui, quand même. C'est vrai qu'il commence à prendre un tout petit peu cher.
Ah, on va se mettre là. Kiri va pouvoir... Il va pouvoir récupérer des points là. Très bien. Probablement que j'aille au marché noir et j'achète des habilités là. En 50 l'une au lieu de 300. Et on prend. Genre le dash. Déjà de 1. Je devrais sauver lui. Le dash. Ouais, le dash serait bon. Ce petit rat que je voudrais bien sauver, c'est après. Alors, Kiri. Parfait. Organisation, let's go. Ah bon, on l'avait pas perdu. Tiens, on va tester un truc. Est-ce que je peux engager ça en le provoquant? Non, ça marche pas. Non, ça doit dire ne peut pas être engagé. Non, ça le dit pas. Non, en tout cas, il est one shot. Ça va? Ah, c'est épuisant mentalement en fait de faire attention à autant de troupes. Mais ça va, on se. Ça va quoi, ça se passe bien. Juste un rat-taupe là qui m'embête un peu, j'ai pas envie qu'il crève. Et ça peut pas être. Je vais être honnête, j'ai l'impression que les dégâts critiques sont quand même très forts. Hein. Donc je me demande si ça marche pas l'autre. Que ça soit, qu'on soit pas à 60% de dégâts critiques. Pour de vrai. Après ça dépend des gens, mais dans les 60. En plus ça, je crois que ça brûle pas les gens qui sont autour. Je crois. Donc c'est pas mal. Oula, j'attends. Oh putain, il y a tellement de cadavres et de trucs et choses. Attends, là, je touche que les deux rats. Okay.
Là, je le défonce, non? Là, il va falloir le retirer, notre tir. Ça devient trop dangereux pour lui. Kairi va le one shot. Après, il y en a encore. Ouais, il y a encore pas mal de choses. Encore beaucoup de boulot à faire. Là, eux, ils sont un peu bloqués en fait. Elle est immunisée au feu. Hein. Ouais, elle peut rester allumée. Littéralement. Il y a un truc aussi, si vous avez beaucoup de ressources, c'est faire de l'énifugé là partout. Ou alors sur énormément de vos persos. Et faire une équipe qui fout le feu partout en fait, tout simplement. J'attends un peu que ça se réunit là et comme ça on va tirer avec avec War. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je crois que ça va être l'heure du tir. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Pas mal du tout. Ah, War, c'est son boulot ici. Hein. Elle fait le tour et tout, tranquille. Enfin, tranquille, c'est vraiment la... Elle lead son propre groupe, quoi. Genre celle qui... Comment dire? Moi, ça me fait délirer, parce que c'est un peu le... Alors, attends, toi, t'es... Ok, t'es avec celui-là. Ça me fait délirer, parce que j'imagine bien l'équipe... Genre un peu à la Kaamelott et tout ça. Bon, un peu plus sérieux parce que Kaamelott, c'est un peu... Les mecs, ils ont un peu du mal à être bons, quoi. Ah, et quoi qu'il régène, hein. Il a peut-être pas besoin d'être soigné, en fait. Il régène bien. Mmh.
Ah, même pas tué. Mais ouais. J'imagine bien l'équipe, quoi. Putain, par contre. Ah, oh, fais chier. Ouais, non, il faut qu'on le soigne. Très bien. Merde, je lui ai mis le feu. J'avais oublié ce détail. Mais t'as pas joué, Witt. Nickel, nickel, nickel. Alors, toi, oui, non, toi t'as joué. Donc, il en reste un là et un là surtout. Que lui il va se faire one shot en théorie. Toi tu restes là, ça fait un point. Oh la vache. Ouais, mais du coup tu fais 4. Pas mal. On a notre rat et on a le rat taupe là. Ah parfait, il est allé dans mon piège. Il est allé exactement dans mon piège. C'est pour ça que je l'ai mis au bord le sanglier. Alors... Est-ce qu'il a toujours le buff, lui? Ah mais non, mais c'était lui. Alors là... Hop. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos petits rats? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour eux? Ah moi ça m'amuse tout ça, hein, ce combat, c'est juste que c'est un peu long quoi. Je sais pas si c'est fun à regarder. Alors, ok. Ouais, nickel. Ça aide les torches, hein, putain. Ah! Orlin a plus d'armure. Elle arrive à la rescousse. Ça commence à être un peu dangereux. Beaucoup de gens... Enfin, les armures, elles commencent à baisser. Et tout ça, quoi. Ça, ça devrait mourir du feu. Ça se prend combien de dégâts? Taurus, faut qu'il fasse le ménage un peu. Faut qu'on garde le truc au taquet. Oh, ok, ok, ok. 4, très bien. On a galvanisation et tout ça. Yes. Nickel.
Ah, j'aurais dû me faire booster par le cheval. Donc attends, il en reste 2. Ça va être chaud de détruire les deux. Je vais être honnête. On va y tenir encore un tour. Mais je vais jamais... Ça va être un peu plus compliqué là. Faut tenir encore. Et ça devient un peu chaud. Là, il va falloir l'aider pour activer le le truc ou pas, j'en sais rien. Il y a Hacker qui peut l'aider en fait. On le booste au cheval et on le fait aller là-bas. Et Taurus, faut qu'il défonce la matriarche en fait. Au moment où on a fini, il faut vraiment défoncer la matriarche. Par contre, celui-là, je vois pas comment on peut le faire. Ça va être... Ça va être un peu compliqué. Là, Will, il peut faire une brochette. Bon, là, ça va, ils en ont pas énormément. Très bien. Donc Taurus, on le garde en fait à côté de la matriarche, parce que si jamais on commence à être dans la merde, il va falloir la tuer très vite. Pourquoi tu peux pas faire sur ça sur celui-là? Qui a besoin de soin. Bah, elle surtout en fait. Elle-même. Okay, très bien. Ah, foule de feu. Faut la libérer, elle. Je sais pas comment. Bah, on peut pas. On peut pas.
Par contre, quand ils meurent et qu'ils mettent le feu, ça c'est un peu débile, je trouve. Ça devrait pas se produire, ça. Ah, lui peut s'enlever, ça va. Il a pas Kourou, lui. Hein. Ah, Kourou, ça serait bien aussi pour lui. Ça fait une... Enfin, tu vas me dire qu'il aurait pas pu le faire de toute façon. On va le mettre là. Là. Bon, tu vas peut-être nous aider un peu. Enfin, quoi que non, non, tu vas nous aider après. Alors, fais voir, il faut que je fasse. Ça. Faut que je les aide. Très bien. Ah mais non, putain. Il pourra pas le déclencher. Merde. Ça sert à rien. Il pourra pas le déclencher parce qu'il peut pas faire provoque. Enfin, il peut le faire, mais ça sert à rien. Oh merde. Il peut pas s'engager, voilà. C'est vrai, il peut pas s'engager. À part faire des dégâts, pas grand chose d'autre. Ouf. Tiens, ça prendra. Il de ralliement sur lui quand même. Bien joué. Bon, on va peut-être être dans la merde au final. Enfin, il va falloir peut-être aborder le fait de... De les tuer. De tous les détruire. Est-ce que je peux... Je
Voilà, très bien. Parfait. Tu peux peut-être les sauver. Dis-moi que tu passes sur les trois là. Dis-moi que tu passes sur les trois. Parfait. Un crit. Pas mal. Il reste 30 points de vie, ça va. J'espère que la charge là, où il passe à travers. Putain, non, ça va pas le one shot le truc. Il a 100 points. Ils ont quoi, 100 points de vie? Ça? Ouais, 100. Ouais, lui il va pas pouvoir le one shot avec ça. Il peut pas taper plusieurs fois en fait. C'est pour ça que je crois qu'on va devoir encore attendre un tour. Et là, ça devient un tout petit peu chaud. Alors... Ok, il n'y en a plus. Ok. Trente-sept. On n'a plus galvanisation. Okay. Parfait. Ça, ça fait 58 de dégâts, ok. Ça, on peut le détruire. Ça ferait 6 sur 7. Je pense pas que le 7ème, on puisse le faire. Ça devient légèrement trop dangereux. Ouais, c'est un peu trop dangereux. Ah,
Après, on commence à avoir une meilleure tactique. Hein. Là, on gère beaucoup mieux. On gère nettement mieux. Taurus qui va. Après, il y a aussi le. L'ours. L'ours, il peut lui mettre une baffe à la machin. Sa vie baisse. Et après, elle fait courou là. Enfin, l'ours, il fait courou. Et hop, c'est fini. Ah, ça me stresse un peu. Ça me stresse un peu. M'emmerde que d'avoir merdé ça là. Il a fait un crit, ça a fait 100 de dégâts. Oh mon dieu, on est bon. Oh la vache, let's go. Let's go, il faut qu'on se casse. Ça, c'est le truc que j'avais pas pensé du tout, quoi. Que ça pouvait crit et que... Ça fait 100 piles, quoi. Allez, pour le moment on a perdu personne. Il faut 2 tours. Et hop, c'est bon, on arrête. On se casse. Ça tue. Oh le machin stress. C'est bon, à moi? Ok. Là, je commence à grignoter et tout. J'en serais de fou, quoi. Allez, c'est bon. Alors. Là. Allez, allez, toujours pas en plus. C'est quoi? 7 points. On peut même faire ça. Nickel. Ça, le L. War, c'est très puissant en fait grâce à ça. Comme j'ai dit, si on met plein d'animaux et tout autour, c'est, elle peut faire des choses vraiment puissantes. Après, faudrait qu'elle fasse des one shot, mais elle one shot pas. C'est intéressant que aussi on puisse pas monter de niveau les armes. À part les armes spéciales là. Bloqué, je crois. Je peux pas passer là. Bon, maintenant je peux. C'est parti. Plus c'est empoisonné. Ah non, j'en dis. Let's go. Et voilà. Bien joué, Taurus. Putain. Pas mal du tout. 65 infectés, 58 rats.
Donc ça fait des plein de nourriture. Un seul cerveau. 6 échantillons, ça c'est bien. 146 dents. Ah ben putain. Oh la vache, ça c'est du combat. Hein. Ça c'est du putain de combat. Non, on avait mis quoi au nôtre? Survie de l'espèce. Ah ça, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Appelle une unité de son espèce en renfort. Parce que oui, ils ont pas beaucoup d'HP, je suis d'accord. Complètement d'accord. Mais... mais dans ce jeu comme ça, là, enfin dans cette scène où ils combattent d'autres rats en fait, du coup ils font pas beaucoup de dégâts. Ce serait pas mal. Mais bon, je crois que ça c'est plus intéressant, parce que comme ça nous fait plus de monde dès le début. Tu vois. Comme ça, on a deux rats top et on a deux rats pestiférés. Alors, mouvement, c'est bien. Constitution, c'est bien. Et encore, constitution. Je sais pas si on va les garder. Ben, je pense. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien du tout si on les garde ou pas. Ça coûte pas très cher à bouffer, mais... Alors. C'était pas mal. Je suis assez fier de moi. 58 rats. Donc les rats, ça c'est bien pour ça. Ça fait pas beaucoup. Il en faut 2, je crois. Ouais, 2 pour 4. Et puis les rats, en fait, on peut rien en faire d'autre. Alors que les pots. Enfin, les carcasses. On peut en faire des pots. Graham, tu peux faire ça. Tilt, bah tiens, tu peux. Maintenant que tu fais partie de l'équipe, tu peux faire ça. Là, on a notre rat. Très bien. Du coup, c'est le bordel complet, quoi. Il est trop lourd, en plus. 6 excroissances. Plein de sang d'infecté. Je pensais pas que ça allait donner autant de dents aussi, ça c'est cool. On a bien fait de garder l'arc de feu, putain. Qu'est-ce que c'est ? Désolé, je vais un peu lentement, mais... Alors, bon, on a les armures à réparer, ça va, ça peut encore tenir. Par contre, donc toi, blessure pestiférée. Alors, toi... Aegram, pareil. Orline, pareil.
l'ours. L'allée aussi. Putain, mais attends. Le problème, c'est qu'on mange déjà beaucoup de viande, en fait. On est déjà 5. Donc, si jamais ils sont contaminés... on va faire que bouffer de la viande tout le temps, quoi. Après, ils sont déjà carnivores, donc je sais pas. Ah, mais je pense que ça va augmenter d'un à chaque fois, ça, c'est dangereux. Les sangliers, on s'en fout. Les rats, ils sont... On s'en fout. Infecté. Bon, c'est bien parce que vous avez fait du bon boulot. Hein. On en a balancé 8 quand même, hein, des trucs. Hein. C'est cher. Hein. C'est très cher. C'est même un peu débile, en fait. Mais bon, les rats pistiférés, c'est pas comme si ça courait les rues. Hein. Faut faire des trucs comme ça à chaque fois pour les récupérer. Et les rataupes, c'est... limite, c'est encore plus rare. Parce qu'il faut des... c'est des temples. J'avoue que les rataupes, ils ont fait du bon boulot. J'avoue qu'ils ont tous fait du bon boulot, en fait. Que ce soit le... notre petit rat et les rataupes et tout ça. Donc c'est pour ça que je voudrais les garder. Bon, plus personne n'est contaminé. À part les sangliers, mais ça on s'en fout. On est bon. On est bon. Bon, par contre, on est peu. Je sais pas quoi faire. Non, honnêtement, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Parce que je suis plein, il faut que je vois ce qu'on fait avec l'inventaire. Et puis voilà, c'était déjà assez long comme ça. Honnêtement, c'est super bien passé, je suis content. On a pu tout détruire. Notre stratégie s'est beaucoup améliorée par rapport au rat. Du coup, voilà, 28 sur 28. Lieu complété, 27 sur 28. Ah oui, parce que... Oui, il y a ça. Il y a cette... ça finit. Ou alors c'est là, peut-être. Je sais pas. Mais, ouais, l'invasion de rats, c'était assez chaud, mais je suis assez... très heureux, en fait, de ce qu'on a fait. On a tout fait. Donc, on a récupéré les 6 échantillons. On a récupéré... du truc contaminé là, de cure pestiférée, je sais pas à quoi ça sert pour le moment. Non, on a fait du très très bon boulot, je suis très content, très, très fier de moi. On va continuer ça. Ah, après j'ai encore des sangles et tout ça, y a pas de problème. Donc ouais, très 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 heureux. On continuera la prochaine fois, merci beaucoup d'avoir regardé, ciao ciao.